ma passion, c'est le dessin. Et plus tard, je voudrais faire de la communication visuelle dans la pub. Donc, je suis à l'école Claude Monet et on a fait des œuvres qui consistaient à faire notre silhouette et après à découper des bouts de journaux pour remplir et lui donner un rendu assez sympa. D'accord. Combien de temps cela a pris pour en arriver au résultat? On a mis environ 3 quarts d'heure pour faire une silhouette entière et en 2 heures, on en a fait 5. 5 ouais. D'accord. Et est-ce que les couleurs sont choisies au hasard ou est-ce que... Les couleurs sont choisies au hasard. D'accord. Donc le but de l'œuvre, c'était vraiment de faire une forme humaine avec du papier plus que de faire, je dirais, un condensé de couleurs qui puisse représenter quelque chose. Vraiment, ce qu'on voulait voir, c'est la forme humaine avec les papiers. Exactement. D'accord. Et est-ce que vous pensez que cette œuvre peut être, précurseur pour une passion plus tard, pour le métier plus tard? Je pense. Donc c'est le collage, l'art, ça, vous allez peut-être vous orienter sur quelque chose de assez atypique par rapport à la formation traditionnelle, c'est de pouvoir devenir artiste. Est-ce que vous avez une école en vue? Oui, j'ai une école en vue, c'est l'Assomption de Grandi. D'accord. Pour? Pour pouvoir préparer un bac pro communication visuelle. D'accord. Écoutez, merci. Au revoir. Bonjour, j'ai fait une œuvre d'art qui est juste ici. D'accord. Je m'appelle Ryan. D'accord. J'ai 11 ans. On a fait une œuvre qui nous a pris beaucoup de temps, quand même. En fait, ce qui est au milieu, c'est une genre de feuille. D'accord. On l'a mis au four et avant de la mettre au four, on a pris des stabilos et on commençait à dessiner dessus. Donc, on l'a mis au four, elle est devenue petite. On a pris une genre de plaquette en bois. D'accord. Et on a collé des feuilles dessus et un jour de nuit. Après tout ça, on a mis des décorations comme du sable bleu, du sable rouge, des feuilles pour faire un peu ressortir l'art. D'accord. Et voilà. Donc combien de temps à peu près cela? Trois séances. Ouais. D'accord. Trois séances de combien de temps? De 1 heure. Trois séances d'une heure. Oui. D'accord. Merci bien pour cette interview et bon courage pour la suite. Au revoir.